Salut les artistes, aujourd'hui je vous teste un réflecteur incurvé de la marque Karuba. Alors il est là, tu peux le voir dans le plan, il est déjà installé, tu peux commencer à visualiser un petit peu l'effet de la lumière et de la réflexion que ça a sur mon visage. Alors Karuba, vous la connaissez peut-être, c'est une marque néerlandaise, elle propose différents types d'accessoires pour la photo et la vidéo. Ils ont des trépieds, des sacs à dos photo, des softbox, des plateaux rapides et également des réflecteurs. Et justement, ils proposent notamment ce système de réflexion incurvé. Alors c'est un accessoire qui est spécialement conçu pour la photo de portrait, il réfléchit simplement la lumière de ta source lumineuse et du coup ça va éliminer la plupart des ombres sur ton visage et on va avoir un rendu très doux, très homogène. C'est un type d'éclairage qu'on va par exemple beaucoup utiliser en photo de beauté parce qu'on aime bien avoir un rendu bien lumineux et très doux sur un visage. Alors pour l'instant je vous montre ce rendu en vidéo. Maintenant je vais changer d'objectif pour augmenter la focale et que tu n'aies que mon visage dans le plan. Comme ça tu vas pouvoir voir la différence avec le réflecteur et sans le réflecteur. Voilà, j'ai changé d'objectif, j'ai augmenté la focale et tu vois il n'y a quasiment aucune ombre sur mon visage. Si je te montre la comparaison avec et sans, eh bien c'est assez flagrant. Là j'utilise un seul projecteur qui est placé dans l'axe de la caméra en plongée d'environ 40-45-50 degrés et avec le réflecteur je réfléchis de la lumière donc par le dessous, donc on a une lumière beaucoup plus homogène sur le visage, on a moins d'ombre au niveau du cou et des joues. Alors on va commencer par voir l'installation du produit. À la base il arrive en pièces détachées dans ce sac de rangement et de transport. Voilà le contenu du pack, tu vas voir c'est pas très compliqué à installer, il faut compter au début 5 à 10 minutes, il y a un petit guide qui est fourni qui montre chaque étape. Il faut d'abord commencer par assembler chaque branche, ensuite tu les glisses à l'endroit prévu de chaque côté du réflecteur. Ensuite, il faut fixer le support au centre. C'est cette partie qu'on viendra installer sur le pied lumière. Ensuite, on a les deux tiges à installer pour créer de la tension au niveau de la toile du réflecteur. Alors, faut forcer un petit peu pour l'installer, c'est normal, il faut bien mettre la toile sous tension, mais en principe, voilà, tout est prévu. Et puis à la fin, il faut bien penser à mettre les goupilles, les serrages pour verrouiller chaque élément du réflecteur incurvé. Alors, une fois que l'ensemble est monté, tu vois que ça fait quand même une bonne taille. À plat, la toile, elle fait environ 180 cm de longueur, et une fois montée, la structure fait environ 150 cm. Donc, ça va prendre quand même pas mal de place. Après, au niveau du poids, c'est plutôt léger, donc c'est quand même assez facile à manipuler. Ce que j'aime bien également, c'est qu'à chaque extrémité de la structure, on a une protection en caoutchouc, on peut poser la structure au sol sans trop de crainte. Alors une fois que le réflecteur est prêt, on a juste à le fixer sur un pied lumière, donc pas besoin d'avoir un pied ultra solide, du moment qu'on écarte suffisamment les jambes, il n'y aura pas de souci. Comme je vous le disais, le réflecteur est plutôt léger. Je précise aussi que le trépied n'est pas inclus dans le pack, donc si vous n'en avez pas, il faudra en prendre un en plus. Alors tu vois qu'au niveau du support de fixation, on peut régler la bascule, l'orientation du réflecteur sur un plan vertical. On peut l'incliner ou le désincliner à peu près sur un angle de 40-45 degrés vers le haut ou vers le bas. Donc ça permet de régler la quantité de lumière que tu vas réfléchir sur ton sujet. Donc c'est un réglage très important. Tu vois la différence sur mon visage, en fonction de son orientation, on aura un rendu et une réflexion différente. Si vous avez besoin d'avoir un rendu doux avec très peu d'ombre sur le visage, par exemple si vous faites des vidéos sur le thème de la beauté, du maquillage, généralement eh bien on aime bien avoir un éclairage bien lumineux et symétrique. Je te remonte la différence en photo avec et sans le réflecteur. Là encore, la différence est très visible. Alors on n'est pas obligé de l'utiliser, hein, c'est pas forcément une nécessité, ça va dépendre de ce qu'on souhaite faire. Ça a tendance à enlever du contraste sur le visage, il y a moins de relief, il est un peu plus lisse, mais d'un autre côté, on a un rendu qui est très doux et lumineux. Donc ça dépend vraiment de votre intention et du résultat de l'ambiance que vous souhaitez obtenir. Alors l'autre élément caractéristique de l'utilisation d'un réflecteur incurvé, ça va être le reflet dans l'œil. Tu vois qu'on a la boîte à lumière au-dessus, mais en dessous de la pupille, on a le reflet du réflecteur. Donc on a un œil, un regard qui est très présent, qui est très brillant. On a plus de vie dans le regard, ça peut être assez joli. Et sur des gros plans où les yeux sont très importants, ça peut être intéressant d'utiliser un réflecteur incurvé. Maintenant, la marque te fournit aussi une autre toile que tu peux installer sur le réflecteur pour avoir une réflexion différente. Alors ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin d'enlever la toile argentée. Là, on a un système de velcro, donc on a juste à l'étendre finalement sur la structure. Donc là, c'est une toile blanche, elle réfléchit toujours la lumière, mais de manière plus diffuse, plus douce par rapport à l'argenté. Je te montre la comparaison entre l'argenté et la face blanche. Le blanc est plus léger, plus doux, la réflexion est moins importante, on garde un peu d'ombre sur le visage. Donc voilà, ça offre un peu plus de choix sur l'utilisation du réflecteur. Après, de l'autre côté de la toile blanche, tu as une face dorée. Alors celui-là, on va peut-être l'utiliser un peu moins en temps normal, mais
c'est toujours une troisième possibilité. Après, évidemment, tu peux agir aussi sur l'intensité de la réflexion en modifiant la hauteur du pied. Plus il est haut, plus il est proche du visage et plus la réflexion sera intense, et inversement si on diminue la taille. Donc la plupart du temps, nous, en portrait, on va mettre une lumière dans l'axe de la caméra face au modèle, comme un éclairage Paramount par exemple, et on va positionner le réflecteur devant le sujet, juste en dessous. Comme ça, on a une lumière bien symétrique et bien homogène. Donc là, tu vois, j'utilise même pas de flash, je suis en lumière continue. J'ai un seul projecteur dans l'axe de la caméra. Pour ceux que ça intéresse, c'est le Godox VL200 avec une softbox parabolique en 90. En arrière-plan, j'utilise un fond pliable de chez Kate Backdrop et puis j'ai le réflecteur en dessous devant moi. Et voilà, tu vois le rendu, on a quelque chose d'assez doux. C'est un type d'éclairage qui est intéressant à utiliser en portrait. Mais on pourrait aussi placer le projecteur par exemple en rembran, donc un peu plus sur le côté, et utiliser le réflecteur incurvé en rappel pour redonner un peu d'informations sur la face opposée à la source. Alors j'avoue que le Rembrandt, on le sent quasiment plus là du coup. On a quand même toujours du contraste sur le visage, mais le dégradé est plus doux. Donc on peut l'utiliser de différentes manières et explorer des configurations différentes. Alors généralement, c'est un accessoire qu'on va utiliser en studio, mais on pourrait très bien l'utiliser aussi en extérieur. Pourquoi pas, si on place le sujet un peu à contre-jour, on peut réfléchir la lumière du soleil et récupérer des informations sur le visage. Alors au niveau du prix, on va le trouver aux alentours de 110€. Par contre, je rappelle bien que le pied n'est pas fourni avec. Alors je vous donne mon avis, qu'est-ce que je pense de ce produit? Eh bien je trouve que pour certains cas, et spécialement pour le portrait, ça va être quelque chose d'assez pratique. Ça évite d'avoir à acheter une deuxième source lumineuse. Là, juste avec un projecteur ou un flash, on peut avoir un rendu très doux et homogène sur un visage. Alors la différence, vous l'avez compris par rapport à un réflecteur classique, c'est que là, il est incurvé, donc en fait la surface englobe le sujet, englobe le visage. Ça permet d'avoir une réflexion plus importante parce que la surface est très large, mais en même temps, ça permet d'avoir une réflexion plus contrôler et de viser essentiellement le visage de votre sujet. Alors j'aime beaucoup aussi le système de bascule qui permet d'orienter et de régler le réflecteur comme on le souhaite. On a aussi la possibilité, on l'a vu, de changer la toile du réflecteur. Ça s'installe très rapidement et très simplement avec le velcro, donc ça c'est assez pratique et ça permet de tester différentes surfaces de réflexion. Alors je le trouve peut-être un peu encombrant, il fait quasiment 150-155 cm là en largeur, donc il faut quand même avoir un petit peu de place dans son studio. Et puis une fois qu'il est monté, on n'a peut-être pas trop envie de le démonter trop souvent. Donc voilà, ça prend un peu de place, mais au moins c'est vrai qu'il est léger, donc il est vraiment facile à installer, à manipuler. Après, je sais pas si c'est vraiment nécessaire d'avoir une surface aussi grande. Est-ce qu'avec un réflecteur plus petit, on pourra avoir à peu près le même résultat? Je sais pas, il faudrait le tester. En tout cas, c'est sûr, plus la surface de réflexion est grande et plus la quantité de lumière sera importante et douce. Donc voilà, c'est un accessoire à connaître, je pense. Peut-être que ça va vous donner des idées pour l'intégrer dans votre workflow de travail. Alors on va surtout l'utiliser en photo de beauté et pourquoi pas pour des face caméra comme là présentement, voilà, pour des vidéos YouTube, on pourrait l'utiliser de cette manière. Alors plutôt sur des gros plans ou des plans taille, on va dire jusqu'au bassin, mais pour les plans larges, il faudra éviter, sinon on va le voir dans le champ. Voilà les artistes, c'était le test d'un réflecteur incurvé de la marque Caruba. Comme d'habitude, je vous ai mis les liens dans la description de la vidéo. En attendant, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce produit et comment vous l'utiliseriez dans vos productions? Voilà, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. Ciao les artistes!